Salut à tous, c'est Baisanka. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Fortnite, on va parler de l'événement de la saison 3, le début de la saison 4. Grosse théorie qui a été mise en place, et dans cette théorie, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve tous les leaks, tout ce qu'on a trouvé jusqu'à présent pour l'événement. Le son de l'événement du coup, l'événement Hightower qu'on a retrouvé dans les fichiers du jeu, le son qu'on a passé au spectromètre, on a vu un skin du coup qui est le skin Galactus qui va arriver sur la map. On verra aussi donc le cratère qui est à côté de l'agence, qui n'est pas encore là mais du coup ça sera avec l'arrivée de Galactus. Tous les audios qu'on a trouvés dans les fichiers du jeu, la BD qu'on a trouvée dans le pass de combat, et toutes les choses qu'Epic Games a testées dans le passé pour préparer cet événement. Ça fait plusieurs saisons maintenant qu'Epic Games aime bien tester en avance un peu des nouveautés qui vont arriver pour les prochains événements. Je vais vous remontrer du coup tout ce qu'ils ont testé dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout, il y a plein de choses à vous montrer. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Ça prend 3 secondes, c'est gratuit les gars, gros merci à vous. Et gros merci à tous ceux qui me soutiennent dans la boutique avec le code créateur Baisanka. Et du coup c'est parti, on peut commencer la théorie. Donc du coup, je vais essayer de bien tout vous expliquer, parce qu'autant dans ma tête c'est tout bien clair, autant pour tout bien vous expliquer, ça va être une vraie galère. Du coup, je vais essayer de vous présenter l'événement comme il va arriver, comme il va se passer selon la théorie, et au fur et à mesure, je vais vous montrer du coup tous les éléments, les indices qui nous font penser ça. Tous les audios, les dossiers qu'on a trouvés dans les fichiers du jeu. Du coup, début de l'événement, on va avoir tout d'abord une faille spatio-temporelle qui va s'ouvrir dans le ciel. Et on l'a vu du coup grâce à cet audio que je vous mets rapidement, on le repassera plus tard dans la vidéo à un moment plus important. Là du coup on l'a vu, il y a une faille qui va s'ouvrir. Hypex a réussi justement à faire spawn cette faille dans le ciel. Donc je vous mets le clip ici à l'écran. Ça c'est la grosse faille qui va arriver dans les prochains jours. On vous l'a dit, une grosse faille qui ressemble beaucoup à l'événement du coup de la saison 4. Événement où on a eu la fusée qui a été du coup aspirée dans une autre dimension. Là a priori, cette faille ça va être la même chose. Donc soit quelque chose qui va rentrer, repartir dans une autre dimension, peut-être Siona du coup qui va repartir, ou alors quelque chose qui va arriver. On a vu que le vaisseau qui allait arriver dans cette faille allait se crasher puisqu'on a du coup juste ici sur la map un petit emplacement où on peut voir cratère. Un nouveau lieu du coup qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, on sait pas encore comment ça va avancer l'événement, mais normalement du coup, le cratère qu'on voit ici, ça pourrait être le vaisseau de Galactus qui est arrivé sur la map de Fortnite. Donc là depuis tout à l'heure, vous avez l'audio de l'événement qui défile en arrière-plan, je vous laisse écouter tranquillement la fin, et on en reparle juste après, comme ça vous l'avez pas en entier, c'est pas trop long, mais vous l'écoutez bien, surtout une petite partie, le plus intéressant, c'est la fin. Donc là, c'était les sons de l'événement Hightower qui va arriver prochainement. Quand on passe ce son au spectromètre, on obtient cette image. Donc au début, et encore dans la dernière vidéo, beaucoup m'ont parlé du personnage Groot. Non, ce n'est pas lui, c'est le personnage Galactus. Plein de gens, et j'ai même un abonné, du coup je vais pouvoir vous mettre sa vidéo, ont commencé à voir une BD qui apparaît dans l'onglet passe de combat. Alors la saison dernière, on l'a vu avec les tuyaux rouges pour les personnes qui étaient sur Switch. Là du coup, c'est quelques personnes pour l'instant, je vous mets le clip ici à l'écran, on peut voir que dans l'onglet passe de combat, sur un baril, il a du coup une BD qui est disponible. Cette BD, si on la zoome, on voit ici le pont arc-en-ciel, on peut voir le skin Thor, la version BD, mais on peut voir aussi ici le skin Galactus, enfin le personnage Galactus, et on le reconnaît bien du coup avec ces espèces de cornes autour de la tête, c'est exactement la même image qu'on avait au spectromètre. Donc ça nous annonce qu'il va y avoir un rapport avec le skin Galactus. Sûrement pour l'événement. On peut voir ici que sur cette image, le skin est quand même relativement grand et qui joue avec des planètes, des boules. Je pense que c'est des planètes qu'il y a ici sur l'image, qui a été trouvée sur Google, hein. Aucun rapport avec l'événement qui va arriver. Mais on peut commencer à tout relier. Imaginez, et je vais vous remettre l'image, enfin je vous laisse l'image qu'on a ici à l'écran, et je vous remets le son. Et imaginez-vous le son des planètes qui tournent autour de lui pendant l'événement. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien. Donc je vous le remets, et on se retrouve juste après. Thank you.
Donc franchement, ça colle trop bien. Maintenant, on va parler pourquoi cet événement et on va essayer de l'appuyer encore plus. Je vous ai dit que ça fait plusieurs saisons qu'Epic Games aime bien tester des trucs en avance, un peu dissimulés, un peu cachés, pour les mettre ensuite, les annoncer au grand jour, plus tard dans la saison. On a vu avec le concert de Travis Scott, rappelez-vous, on avait le parc d'attractions qui était en feu à un moment donné derrière lui, et la saison d'après, on a eu le pistolet à détresse, la saison encore d'après, on a eu les bocaux à lucioles. Plein de choses pour enflammer la map, les décors, les arbres, les maisons, mais aussi les constructions des ennemis. Donc déjà là, pareil, vous avez vu qu'ils ont testé le feu sur le décor du concert de Travis Scott avant de l'implanter dans le jeu, voir si ça allait fonctionner chez tout le monde, si dans la session il n'y allait pas avoir de bug. C'est déjà un premier test. Ensuite, on l'a vu aussi, encore une fois pendant le concert de Travis Scott, première fois où on a pu nager sur le Battle Royale. Et ensuite, saison d'après, on a eu du coup la nage qui est arrivée sur le chapitre 2. Donc là aussi, pareil, gros test de Fortnite en avance, un peu dissimulé, un peu caché. On s'attendait à ce que la map soit inondée, on a tous imaginé du coup que c'était un test, et c'était bien ça. Et maintenant, deux choses qui vont arriver pour l'événement de la saison 3. On a pu voir du coup tout à l'heure, on a parlé du skin Galactus, qui serait quand même assez gros, assez grand pendant l'événement. Et si on se remet du coup le concert de Travis Scott tout au début, le skin Travis Scott est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand que tous les autres joueurs de la map. Pour un événement, un gros skin Galactus du coup sur la map, ça serait la bonne taille. Et ensuite sur l'image, donc je vous la remets à l'écran, sur cette image, on a vu, il s'amuse à bouger plein de planètes autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé aussi sur le concert de Travis Scott, rappelez-vous, vers la fin, on a le cosmonaute qu'on était un peu en orbite, il jouait, il y avait plein de planètes qui tournaient autour de lui. Là aussi, ça représente assez bien ce qu'on pourrait avoir pour l'événement de la saison 3 avec le skin Galactus. Donc là ensuite, l'événement se déroule, le skin Galactus du coup fait ce qu'il a à faire, on n'a pas non plus toutes les informations, c'est une théorie en gros, mais vous avez vu qu'avec cette théorie, j'ai pu vous montrer tous les éléments qu'on a trouvés depuis le début de la saison pour l'événement de la saison 3. Les audios, les délires de spectromètre où on peut voir le skin Galactus qui est caché en fond, tous les indices qu'on a eu sur un skin Thor qui pourrait arriver prochainement, et du coup ça continue mon histoire. Là pour la saison 3, le skin Galactus pendant l'événement fout un gros bordel, et à la saison 4, on a du coup dans le pass de combat le skin Thor, et du coup peut-être qu'on peut imaginer à la fin de la saison 4, un combat entre le skin Thor et le skin Galactus, c'est ce qui nous ferait du coup l'événement de la saison 4. Donc grosse théorie sur plusieurs saisons, mais au final comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu, tous les leaks, les indices sur l'événement de la fin de saison, ont été cités dans la théorie. Et franchement, je trouve qu'elle est quand même assez cool. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous pensez pouvoir l'améliorer, si vous trouvez d'autres indices, n'hésitez pas. Likez aussi les meilleures théories pour les faire remonter, mais franchement, je trouve que celle-ci est assez cool. Et du coup pour finir, je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai un abonné qui m'a envoyé un clip où il a justement la BD du coup dans l'onglet passe de combat, mais il entend aussi une musique qui n'est pas disponible sur le jeu d'après lui. Alors j'ai cherché dans tous les sons que j'ai disponibles sur mon jeu, je ne l'ai pas trouvé, donc peut-être que dans l'événement, on aura un son assez spécial dans le lobby. Je vous mets le clip, il dure assez longtemps, il montre bien qu'à un moment donné, il fait un retour menu, et quand il revient, la BD et la musique n'est plus disponible. Donc si vous avez le temps, restez jusqu'à la fin, essayez de checker du coup dans vos sons à vous, si jamais vous l'avez pas, ça expliquerait du coup pourquoi moi je l'ai pas trouvé, peut-être que c'est un son qui était à l'achat dans la boutique, honnêtement j'en sais rien, mais c'est vrai que ce son me dit rien, et comme ça on essaiera de résoudre cette énigme.
Et voilà les potes, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette théorie vous a plu. Gros pouce bleu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, pour rester informé de tout ce qui va arriver par la suite sur Fortnite. On approche tout doucement de la saison 4, les événements vont commencer tout doucement à se mettre en place, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Du coup moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde.